Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais checker un nouvel extrait de Didi B qui nous a sorti sur son Instagram hier. Ça s'appelle L'art de la guerre. Et il est passé pas inaperçu, mais si jamais tu suis pas, tu veux pas le savoir. Donc là, il nous a balancé en même temps. J'ai vu en fait, il y avait une vidéo qui tournait, elle était à New York, mais j'ai pas fait attention après. J'ai regardé un peu après et je me suis dit, mais on l'a jamais entendu ça. Et bah écoute, on va écouter ça. N'oubliez pas, il est à l'Olympia le 15 février 2024 à Paris. J'espère qu'il va être complet et on attend. Ça va être une grande fête pour le rap ivoire, pour cette culture, pour cette musique africaine qui dépasse les frontières. Et voilà, ça va arriver jusqu'à Paris. Et j'espère qu'il y aura du beau monde. Et franchement, on attend ça avec impatience parce que un Olympien. C'est pas rien dans une carrière et je peux vous le dire que tous ceux qui ont fait l'Olympia, putain, et je peux te dire qu'ils sont fiers de l'avoir fait parce que c'est pas tout le monde qui le fait et ouais, et franchement, hâte de voir ça en tout cas et let's go tout simplement, l'art de la guerre et on dirait qu'il a tourné à New York, on dirait. Tu veux faire payer à ta pote à côté à GCP Marabou lance Cory, d'un jeu à hasard on lance les dés. J'arrive énervé comme un Adesanya. Tu t'amuses en te babillant, tu craches plus de sang que l'ingénieur de Vania. Numéro uno de toutes les manières. Tu me vois dans toutes les bannières, sans sourire, t'as essayé de me bannir. Oh, je sais pas, il a dit quoi là? A essayé de me bannir. On lui donne l'argent parce que tu lui donnes ses câlins. Il est incroyable le son. La prod elle est folle. Le flow il est magnifique. Il est sur une autre planète ce gars, il est sur une autre planète. T'as vu le point rouge, regarde pas ailleurs, c'est toi qu'on vise. Tu veux faire payer à ta patte à côté, TSB. Marabou lance Cory, dans le hasard on lance les dés. Les golas. Et je te jure, il se pavane à l'aise dans New York. C'est énorme. Il s'est mis sur la fenêtre de la voiture. Aïe 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 aïe. Franchement c'est lourd, c'est lourd. Tu vois, franchement même la façon dont il l'a présenté, tu vois. Franchement, c'est une pure dinguerie. Bon, je vais le remettre, mais je vais parler dessus. C'est une pure dinguerie. En fait, je trouve que c'est hyper bien présenté, en fait. Ah là là, franchement, la prod, le flow, la technique, je kiffe en fait comment il pose, comment il envoie les rimes comme ça. Je trouve que ça a trop de flow et il envoie. Et en plus, il est à New York, il s'est mis en mode vraiment US, hein. Il s'est mis vraiment comme un rappeur US. Tourne à New York sur la fenêtre comme ça en mode il est assis et tout. C'est dingue, ils ont super bien filmé ça. Je sais pas comment ils ont fait. J'espère qu'il y aura un clip. Franchement, s'il y a un clip tourné à New York, c'est peut-être ce truc qu'on avait vu. Il y avait une vidéo qui était passée où il y avait un gars qui est en train de voler, je sais pas qui. Et Didi est en train de regarder et tout. Je sais pas si ça, si c'est ça ou pas. Mais en tout cas, je te jure, c'est même incompréhensible le niveau qu'il arrive à garder. Continue. La prod, franchement, elle est bonne. Qui c'est qui va dire qu'elle est mauvaise? Le flow, il est hyper bon. Qui c'est qui va dire qu'il est mauvais? Le flow, tu vois, c'est toujours... Il y a de la fraîcheur encore, il y a de la fraîcheur. Franchement, ce gars-là, c'est un phénomène, c'est un extraterrestre. Franchement, et en plus, je dis pas ça juste parce que je kiffe beaucoup cet artiste et que bah, je kiffe la musique de ce continent. Mais franchement, qualitativement, il en voit beaucoup. Et comme il l'a dit dans son dernier concert au Parc des Expositions, il fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts au niveau musique, au niveau de tout, de ce qu'il envoie. Et voilà, il faut pas boycotter, il faut mettre en avant, il faut partager, il faut donner de la force à ce gars-là, à cette culture. Et quand c'est bon, il faut le dire. Et quand c'est très bon, il faut le dire aussi. Et quand il faut partager, il faut partager. Franchement, c'est ouf ce qu'il propose. C'est ouf!
Je te jure, franchement, ce gars-là, il pourrait avoir une carrière facile en France. Il pourrait avoir une carrière facile en France. Au niveau de sa qualité de contenu, de la continuité, de sa l'effervescence en fait qu'il a depuis v'là le temps maintenant, je sais pas, depuis qu'il a commencé sa carrière solo, même depuis Kiff No Beat, ce mec-là est sur les nuages. Il va falloir descendre encore, il fait que de rester là-haut. Surveiller le ciel, c'est tout. C'est une dinguerie, franchement, grosse force à lui. Et bien sûr, on sera là à l'Olympia. Si vous serez là à l'Olympia, venez pointer. Et franchement, force à lui parce que il donne beaucoup pour cette culture. Il régénère le game. C'est ouf, c'est ouf. Ce genre de prod, ce genre de son, c'est ce qu'on écoute en France. C'est ce genre de son, cette fraîcheur, ce genre de flow, ce genre de prod, ce genre de... ce type de son, tout ça, franchement, ça passe super bien. Moi, j'adhère total. C'est... lyrique allemand, les punchlines. Il joue avec les mots, franchement, il est... c'est un phénomène, ce gars-là. C'est un phénomène. Bon. On va terminer dessus, hein. On a que un petit extrait, même si c'est une bonne minute, hein, quand même, hein. J'ai l'impression. J'espère qu'il y a un clip. J'espère qu'il va l'envoyer salement, parce que franchement, de toute façon, s'il l'a envoyé en mode extrait comme ça, c'est qu'il est tellement chaud sur ce titre qu'il a, qu'il doit avoir des trucs. Aïe aïe aïe, franchement chaud. Tu vas prendre des voix comme ça, légère et doux, il reprend, il kick un peu plus fort, il joue avec des mots, oh là 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 là. Force à lui et à son équipe. C'est bouillon, putain, j'en perds ma bouche. Bon, ce qui est dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.